Donc je vais essayer de finir les indications de preuve que je donnais sur Axel Lindemann, et après je passerai à des choses plus arithmétiques, plus théorie des nombres. Donc je vous rappelle que ce qu'on veut voir, enfin, la situation, c'est qu'on a une sous-variété dans S, une uniformisation par un domaine symétrique hermitien. Et puis on a un algébrique maximal dans l'image inverse de V. Et le but, c'est de montrer que pi de A est faiblement spécial. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que ce qui était crucial, c'est de construire un gros stabilisateur de A qui provenait d'un groupe sur Q. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je mets principe de la preuve. De la proposition. Donc 5.2, alors c'était donc que le stabilisateur sur Q en instance de A était de dimension positive. Alors, donc on définit un ensemble θ de A de la manière suivante. Alors A, c'est l'algébrique maximale ici. C'est l'ensemble des G. Donc c'est un sous-ensemble du groupe G, tel que la dimension de G.A inter pi-1. Tout ça place ou A? C'est le composant connexe avec le G de A plat. G de A. Merci. Inter F. Donc ça, on veut que ça soit la dimension de A. Donc ça mesure des translatés de A qui restent dans pi-1 de V et qui rencontrent F. Donc, où F est un ensemble fondamental tel que pi restreint à F est définissable. Donc toujours dans R annexe. Alors, il y a un point important d'abord, c'est que θ de A est définissable dans R annexe, essentiellement parce que G.A pi-1 de V inter F, c'est définissable dans R annexe, et que la dimension, c'est une notion qui existe dans toute théorie au minimal et qui est une notion définissable. Donc il y a un argument quand même derrière, mais donc on a une formule pour θ de A, et on a des propriétés qui sont très utiles. Pardon, comment on intersecte avec des ouverts? Oui. Non, c'est pas des ouverts, c'est des variétaires, je pense. Enfin, ça c'est fermé, ça c'est ouvert pour moi, effectivement. Est-ce que ça veut dire aussi que tous les composants, c'est partout de la même dimension ou c'est seulement la dimension? Alors, il y a une vraie dimension pour maximale pour A. Bon, c'est des irréductibles, enfin, donc il y a quelque chose. Hein. Bon, mais la notion de... Bon. Alors, un point important, c'est que si j'ai... Et dans θ de A, alors, bon, G point A inter F a la même dimension que A, et donc ça veut dire que dans un voisinage, enfin, sur F, G point A inter F est contenu dans π-1 de V, et ça, ça se maintient partout. Donc, si G est dans θ de A, par prolongement analytique, G.A est inclus dans π-1 de V. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une propriété locale qui s'étend. Ensuite, le point clé pour moi, c'est que... Enfin, quand on regarde θ de A inter gamma, ça se simplifie beaucoup. C'est juste l'ensemble des gammas appartenant à gamma, tel que A intersecte, alors gamma, bon, c'est gamma moins 1 de F, non trivialement. Bon, et puis j'ai une troisième propriété qui est peut-être moins importante, mais que je mets, que... quel que soit gamma dans gamma, pardon, dans gamma inter θ de A, gamma.A est un algébrique irréductible maximale. Alors, un mot sur le point 2. C'est assez bête, mais si je regarde θ, enfin, ça utilise simplement... donc, c'est l'ensemble des gammas dans gamma, tel que la dimension de gamma A inter... π-1 de V inter F, c'est la dimension de A. Mais je vais utiliser que π-1 de V est gamma invariant. Donc ça, c'est l'ensemble des gammas appartenant à gamma, telles que dimension de A inter gamma moins 1 F inter π-1 de V égale la dimension de A. Et ça, ça veut dire que A inter gamma moins 1 F est non vide. C'est la même chose en fait, parce que F est ouvert. Donc en fait, c'est juste tester qu'un gamma est dans cet ensemble, c'est juste dire que l'algébrique rencontre le translaté, ou enfin bon, là il y a un problème de signe qui n'est pas important, rencontre gamma, le translaté de l'ensemble fondamental par gamma. D'accord? Ok. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de construire un algébrique dans θ de A, en utilisant Pila-Wilkie, et qui contiendra beaucoup d'éléments de gamma. Et je vais voir que cet algébrique va donner lieu à quelqu'un dans le stabilisateur. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une hauteur sur, disons, en fait, sur G de Q ou G de Q bar. Donc, bon, par exemple, je plonge n'importe comment G de Q bar dans un GLN et je vois ça comme Bon, puis j'ai une hauteur ici, et par restriction, j'aurai une hauteur ici. Donc je note H la hauteur induite bon, sur G de Q bar. Et je vais en fait l'utiliser que sur G de Q, même sur G de Z d'une certaine manière. Et donc, je m'intéresse au théorème de comptage de Pila-Wilkie. Donc, je définis, enfin, je vais essayer de l'utiliser. Donc, je définis NA de T comme... alors, l'ensemble des gammas appartenant à θ de A intergamma. Hein, donc, c'est juste ceux... tel que A rencontre gamma moins 1 fois f, tel que la hauteur de gamma est inférieure à grand T. Hein, donc c'est l'ensemble des gammas tel que A intergamma moins 1 f n'est pas vide et hauteur de gamma plus petit que t. Alors, c'est des points rationnels, même entiers, de hauteur bornée. Si j'en trouve beaucoup, ça ne peut être expliqué que par la présence d'un algébrique de dimension positive. Et donc, le théorème clé va être que... donc 5.5, il existe A strictement positif tel que pour tout T assez grand, le cardinal de cet ensemble c'est au moins T puissance. Est-ce que ici la hauteur, j'ai oublié, c'est la hauteur au sens que c'est sup de valeur absolue, le log? C'est sup du valeur absolue, il n'y a pas de log. C'est vrai, c'est la hauteur avant, enfin pas logarithmique. Ouais. Donc, oui. Bon, donc je dis juste hein, que si j'ai un algébrique dans ces puissances n, à l'intérieur j'ai un domaine symétrique hermitien, j'ai les translatés d'un domaine fondamental ou d'un ensemble fondamental, l'algébrique doit rencontrer beaucoup de domaines fondamentaux, en ce sens-là. C'est ça l'énoncé, il n'y a rien à voir, enfin, c'est un énoncé de pure géométrie hyperbolique, je vais y revenir. On suppose en quelque sorte que la situation est non triviale, par exemple le groupe trivial, ce ne sera, donc il faut... On suppose, quelle est l'hypothèse, quelque chose de dimension positive? A, c'est de dimension positive, le groupe, enfin, il y a une variété de Shimura de dimension positive, il n'y a pas de... bon, ok. Alors, donc je veux quand même dire comment j'en déduis que le stabilisateur de A est gros, en fait, contient un groupe algébrique sur Q. Alors, je vais dire que... preuve de 5,5 implique 5,2. Donc, j'essaie de montrer qu'il y a un gros stabilisateur. Et par Pila-Wilkie, donc le théorème de comptage, assure. Donc, là, j'utilise vraiment la version bloc, mais je veux dire que. Ça dit qu'il existe, alors j'ai mis B2 pour je ne sais plus quelle raison, il existe un B2 strictement positif, tel que pour tout T assez grand, il existe un bloc donc semi-algébrique W dans θ de A, tel que l'ensemble, le cardinal de l'ensemble des gammas dans W intergamma tel que H de gamma soit plus petit que T et déjà plus grand que T puissance B2. Donc il y a des blocs algébriques où il y a beaucoup de ces points. Voilà. Alors, on fixe un certain gamma 0 comme ça, dans gamma inter W, et on constate que si j'appelle W1 gamma 0 moins 1 point W, c'est un bloc dans θ de A qui contient d'abord l'identité est telle que donc il y a autant d'éléments de gamma dans W1 que dans W. Donc l'ensemble des gammas appartenant à W1 intergamma c'est supérieur ou égal à t puissance B2. Alors, pourquoi j'ai avancé? Parce que dans cette situation, W1.A est un algébrique contenant A et contenu dans pi-1 de V. Alors, le fait qu'il soit contenu dans pi-1 de V, c'est la propriété 1 ici, que les éléments G dans θ de A font que G.A reste dans pi-1 de V. Et le fait qu'il contient, A, c'est qu'il y a l'identité ici, au moins. Voilà. Et donc, ça vous dit que W1.A égale A, ou si vous voulez que W1 est contenu dans le stabilisateur dans G2R de A. Alors, on a avancé parce que on montre comme ça donc que dans le stabilisateur, contient une infinité d'éléments de gamma. J'en ai construit au moins t puissance B2, puis je fais variété. Et donc je prends, si vous voulez, stabilisateur dans G2R intergamma, et je prends la clôture de Zariski, peut-être le groupe engendré par cette clôture de Zariski qui est un groupe, et c'est ça, c'est inclus dans le stabilisateur. Et c'est le groupe qui provient d'un, qui est de dimension positive. Je peux dire que c'est de dimension positive. Et c'est contenu dans le stabilisateur. Voilà. Donc, bon, donc encore une fois, c'est le théorème de Pila-Wilkie qui permet de passer du théorème 5.5 à cet énoncé. Et je voulais dire quand même quelques mots sur le théorème 5.5, qui est donc purement de la géométrie hyperbolique. Il n'y a plus... Enfin, je veux dire, c'est... quand vous y réfléchissez 2 minutes, la première chose que vous pouvez faire, c'est dire que vous pouvez supposer que... Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez montrer que vous avez, disons, un espace symétrique dans C puissance n, et puis une courbe. Et puis, vous voulez démontrer... Alors, et un algébrique. Vous voulez démontrer qu'il rencontre beaucoup de domaines fondamentaux. Alors, pour ça, il suffit de le faire pour les courbes, parce que si vous savez le faire pour une courbe à l'intérieur de votre algébrique, s'il rencontre déjà beaucoup de domaines fondamentaux, ben, l'algébrique en rencontrera éventuellement encore plus. Donc, on peut supposer que A, donc une courbe algébrique. Alors, si on réfléchit un tout petit peu plus, on peut voir que l'énoncé lui-même d'Axel Lindemann ne concerne que les courbes. Enfin, vous prenez, si vous l'écrivez sous la forme, vous prenez un algébrique, vous prenez son image, la clôture de Zariski est faiblement spéciale. Si vous savez le faire pour les courbes, en fait, vous saurez le faire pour tous les algébriques, parce que vous êtes capable de trouver une courbe à l'intérieur de votre algébrique qui aura la même clôture, enfin, telle que pi de la courbe aura la même clôture de Zariski que pi de l'algébrique. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on se ramène à un problème sur les courbes au bout d'un moment. Et voilà. Donc, voilà. Donc, je vais... bon, sur X, j'aurais besoin de quelques notions de géométrie hyperbolique. Donc, j'ai une métrique, Gx, la métrique sur... donc, sur X plus, croix X plus. J'ai dx, la mesure associée, enfin la distance associée. Et alors gx, c'est la métrique sur x+. Merci. Et j'ai une distance. Et j'aurais besoin de quelque chose aussi, c'est, je vais plonger, comme avant, G de R, bon, un peu au départ, un peu arbitrairement, mais je vais, en fait, j'essaie de construire une norme sur X+, qui a une certaine invariance, et je fixe un compact maximal alors de GLN de R. Tel que K infini inter G de R est un compact maximal de G de R. Alors, ça correspond à un point x0 de l'espace symétrique. Et, bon, je peux choisir mon domaine fondamental préféré, de sorte que x0 soit dans F. Voilà. Et quand je fais ça, je peux construire on fixe une norme K-infini invariante sur Mn de R. Et elle induit donc une fonction que je nomme encore norme infinie sur X, qui est kx0 invariante. Donc il y a un compact maximal de g associé à x0, kx0, et cette fonction est invariante à droite par kx0. Alors c'est une manière de mesurer d'une certaine manière la complexité d'un point x dans l'espace x, et on a besoin d'un certain nombre de choses qui sont purement de la géométrie hyperbolique. Et tu as le droit de multiplier la norme par une constante, ou il faut la normaliser? Oui, alors j'ai fait des choix un peu compatibles, que je ne dis pas tous les choix un peu compatibles, mais à la fin, ça ne compte pas beaucoup, mais le type de choses qu'on a quand on prend les bonnes normalisations, donc c'est que si, alors, si on regarde un point tel que la norme de G, où ça revient au même, G.x0 est grande, alors la distance de x0 à G.x0 est obligée de grandir aussi, dans cette proportion-là. Et là, bon, si on a bien normalisé, on n'a pas besoin de constante, mais on pourrait en mettre. Et il existe une constante positive, telle que pour tout gamma dans gamma, et tout U dans un certain translaté de F par gamma, on est la hauteur de gamma, c'est au plus U infini. Donc si vous avez un U qui est dans un translaté par gamma de F, sa norme ne peut pas être trop petite si la hauteur du gamma est un peu grande. Donc c'est purement de la géométrie hyperbolique, hein, il faut faire... ça, c'est pas beaucoup de travail. Et il y a un outil... bon, qui est un théorème de Wang et Tao, qui dit la chose suivante, soit B de x0R, la boule hyperbolique, donc pour la distance hyperbolique en deux centres x0 et de rayon R. Alors, je... Distance hyperbolique, c'est ce que tu appelais dx. C'est ce que j'ai appelé dx, oui. Donc, il existe des constantes... Alors, il existe... Oui, donc, il existe C strictement positive, telle que, pour tout R assez grand, le volume de C intersecté avec cette boule C plus grand que exponentielle C fois R pour R assez grand. Voilà, donc une courbe dans un espace hyperbolique rencontre le volume dans la courbe et R assez grand. Ah, excusez-moi. Alors excusez-moi, ma courbe c'est grand A. Ma courbe c'est A ici, et là c'est bon. Oui, bon, voilà. Voilà. Alors, la chose qui est facile à énoncer, mais qui est vraiment le truc qui nous a bloqué longtemps et qui fait la différence, c'est que il existe une constante il existe A égale en A0 qui dépend que de c'est pas terrible comme notation de ma courbe, j'aurais dû l'appeler C à un moment, mais bon c'est pas grave. Oui. D'accord, on peut supposer que A est une courbe algébrique C. Voilà, ça m'aurait aidé un moment. Ça m'aurait aidé ici, voilà. D'accord. Voilà. Une courbe algébrique, c'est bien quand ça s'appelle C. Ça va... Bon. Donc, cette constante ne dépend que de la courbe algébrique, telle que... ce que je vais vraiment utiliser, je dois démontrer quelque chose d'un peu plus fort, mais ce que je vais vraiment utiliser, c'est que, tel que pour tout gamma appartenant à gamma, le volume de l'intersection de la courbe avec un translaté, c'est uniformément borné par une constante. Alors c'est, dit comme ça, c'est voilà, enfin, c'est le lemme où il se passe quelque chose d'un peu délicat ici, enfin, les autres sont pas difficiles. Et voilà, alors ce que je veux dire, c'est comment ces quatre ingrédients vous démontrent ce que je veux. Alors, donc maintenant, preuve de 5,5. Alors, je vais définir finalement, j'essaie de voir comment la courbe rencontre de nombreux domaines fondamentaux et je fais varier un paramètre. Je fais varier la norme infinie de z quand z varie dans la courbe. Et donc je coupe comme ça. Et bon, évidemment, c'est la réunion pour gamma dans gamma telle que... l'intersection avec la courbe est non vide, des z dans gamma f inter c, et toujours avec cette condition de norme. Et par le lemme donc par le 2, il n'y a plus de numéro, donc OK. Donc je dis que C de t est inclus donc dans l'union pour gamma appartenant à gamma, gamma f inter c différent de vide, et puis j'ai une condition sur la hauteur, que la hauteur de gamma est plus petite que b fois t, toujours de l'ensemble des z appartenant à gamma f inter c. Et ok. Et je prends les volumes simplement pour l'instant et je dis que le volume de C de T, c'est inférieur ou égal à la somme pour gamma dans gamma, avec cette condition que gamma f inter c est non vide, et que la hauteur de gamma soit plus petit que bt fois le volume de chacun des choses, donc gamma f inter c. Et chacun de ces volumes, c'est uniformément borné par une constante. Donc c'est inférieur ou égal à cette constante, à 0, qui dépend que de la courbe, fois, alors en fait, le nombre de gamma, tel que gamma f inter c est non vide, et la hauteur de gamma inférieure à bt. Alors, Pardon ? Oui, c'est une somme finie, ça. Bah, les nombres de gamma de hauteur bornée, c'est fini. Hein. NC de B point T. Alors, j'avoue que là, j'ai fait un changement de signe. NC, c'était l'ensemble des gammas, tels que gamma moins 1F inter. Et là, j'ai pris plutôt l'ensemble des gammas, tels que gamma f inter c et de hauteur, mais ça ne change pas. Enfin, c'est la même chose à démontrer. Donc, ok. Donc, j'ai ça. Et de l'autre côté, par le 1 du lemme là-bas, que j'aurais dû donner un nom, si je vais appeler ça 5,7, ça m'aurait aidé. Et ça, 5,8. Donc par le 1 de 5,7, on voit que C inter la boule de centre X0 et de rayon log T est contenu dans C de T. Et donc, pour minorer le volume, je peux appliquer Wang-Tao. Donc, le volume de C de T, c'est c'est au moins t puissance c, où c, c'est vraiment la constante. Donc ça, c'est 5,8. Donc taux est inférieur ou égal à, à 0. Cardinal. Voilà. Alors ça, ça vous donne ce qu'il faut. Même si vous liez NC de T, mais vous avez cette translation. Donc vous en déduisez qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de gamma, tels que gamma F inter C est non vide, et de hauteur de gamma plus petit que B point T. Il y en a au moins T puissance C, et c'est ça qui suffit. Alors je ne détaille pas plus la partie, le lemme clé, là, c'est là que, en fait, on utilise la structure un peu fine de la compactification des variétés de Shimura. Donc, on utilise pas mal des compactifications toroïdales. Et puis après, une comparaison de métriques entre Poincaré et Faltings. Et ça, c'était quelque chose qui était dû à Mumford et qui a été utilisé par Faltings il y a longtemps. Mais bon, donc on utilise un certain nombre de choses ici pour cet énoncé voilà, qui... voilà. Alors... Tu peux trouver par volume, sur quel sens volume à ta courbe, elle est de dimension. Oui, elle a une dimension complexe, 1, si tu veux. Alors c'est par rapport à quoi tu calcules le volume, c'est ça? La métrique. Ah bah, j'ai une métrique induite. Hein, oui. Et en plus, je suis en géométrie complexe, ça se passe vraiment bien. J'ai une 1 informe différentielle, je restreins cette 1 informe différentielle, et je calcule avec ça. C'est l'air, là pour le coup, c'est une aire. Mais ce truc-là marche pour une variété de dimension D quelconque, il faut mettre, ça se passe mieux que ça. C'est une dimension trop petite pour que tu puisses calculer du volume. Oui, c'est l'air, voilà. OK, donc, voilà, donc maintenant... dans le temps qui me reste, mon but, c'est de vous expliquer les bandes inférieures pour les orbites sous Galois, qui sont voilà, le dernier ingrédient majeur. Et c'est ça que je voudrais faire. Donc voilà, on passe à un truc qui est maintenant totalement de la théorie des nombres. Et je vais essayer d'expliquer un peu le contexte, pourquoi il y a quelque chose qui bloque et comment ça s'est un peu miraculeusement arrangé. Alors... Donc, bandes inférieures. Pour la taille des orbites, donc pour les orbites sous Galois. De points spéciaux. Alors, donc la première chose qu'il faut que j'explique, c'est l'histoire en fait de groupes de classes pour des tors et en fait de morphisme entre groupes de classes entre tors. Donc je vais expliquer d'abord la situation. Donc je vais parler de tors algébriques. Donc si je pars d'un tore algébrique sur Q, il y a quelque chose qui est à l'intérieur des adèles finis. C'est un compact maximal. Alors, dans les tors, il n'y en a qu'un seul, c'est pratique. Et on définit un groupe de classes, comme ça, T de AF Donc c'est un groupe de classes que je vais appeler absolu. Et si K est un sous-groupe compact ouvert dans KTM, j'ai un groupe de classes relatif à K que je définis comme... Alors, je vais l'appeler KT, ça va m'arranger. T de AF sur T de Q sur KT. Alors, si F est un corps de nombre, et je prends le tore RF, que des fois je note F étoile, la restriction de GM, alors H RF, c'est le groupe de classe, alors j'allais dire de OK, mais de OF, et ou le groupe de Picard. Et en général, ça, quand K varie, on va trouver des groupes de classes d'ordre à l'intérieur de ça. Donc on généralise, voilà. Donc les tores algébriques sont une manière de généraliser les anodes entiers de la théorie des nombres. Et le premier point qui est important dans le tableau, c'est que... donc, il existe une constante mu de D, mu, donc qui ne dépend que d'une dimension positive, et C égale bon, C de D aussi, tel que pour tout tore algébrique T de dimension D. Alors ce qu'on sait faire, c'est on ne sait jamais minorer un groupe de classe. Alors ce qu'on sait minorer, c'est un groupe de classe fois un régulateur. Alors donc je dis le type de minoration qu'on obtient. Alors, qu'est-ce que c'est que L? C'est le corps de décomposition de T. Le plus petit corps qui le rend déployé. Oui. Et RT, c'est le régulateur. Donc essentiellement, c'est le covolume du réseau des unités. Donc ce réseau des unités, c'est T de Q inter KTM, et que vous plongez. Alors, dans R, alors je vais écrire R puissance R infini moins, oui, je vais l'appeler RQ, comme ça c'est bien, et R infini, c'est le rang sur R, le rang déployé sur R, et RQ, c'est le rang déployé sur Q. Alors, c'est un fait général de la théorie des nombres que jamais on peut obtenir une minoration d'un nombre de classes où il n'y a pas le régulateur dedans. Et c'est un phénomène de fusion nucléaire, les deux vont toujours ensemble. Mais il faut remettre les places à l'infini dans les ZDL. Oui, enfin, en tout cas, il y a, on ne peut pas les séparer, mais il y a quelque chose qui se passe dans la multiplication complexe, c'est que pour un tort de multiplication complexe, en fait, RT est toujours égal à 1. Donc en fait, ces deux rangs coïncident, si vous voulez. Donc typiquement, si le groupe, si vous avez un sous-tort d'un groupe G adjoint qui correspond à la multiplication complexe, ce tort, en fait, les points réels sont compacts. Donc on a RQ égale 0 et l'infini aussi. Donc c'est ça la situation standard. Donc on a une chance que, enfin, voilà, donc on a une minoration comme ça, qui est en fait de l'ordre de grandeur de ce qu'on veut, pour acheter lui-même, dans le cas de la multiplication complexe. Alors évidemment, c'est... DL, c'est quoi? DL. Alors, pardon, DL, oui, alors, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai souvent utilisé, c'est la valeur absolue du discriminant de OL. Voilà. L, le corps de décomposition. Alors, je ne vais pas donner... Le tort de multiplication complexe, c'est un noyau de la norme vers Q. Alors, c'est, si tu veux, c'est un tort qui a un paramètre de Hodge qui passe par lui à l'infini. Ouais. Donc, bon, je vais venir peut-être plus... ouais. Donc... voilà, alors je dis vite, enfin, les ingrédients qu'il y a là-dedans. En fait, il y a une formule de Scheer qui généralise à tout tort la formule des classes. Donc, il dit que... donc, c'est, il y a un certain nombre d'invariants. Oméga t, c'est un nombre de racines de l'unité. Tau indice t, c'est un nombre de Tamagawa. Rho indice t, c'est, bon, je vais l'écrire, un quasi-résidu. Et puis, il y a quelque chose qui est, qu'on appelle un quasi-discriminant qui intervient. Et il y a un petit travail pour comprendre ce que c'est que ce quasi-discriminant. Donc c'est oméga t, tau indice t, rho t. Et en fait, vous avez le conducteur d'Artin à la puissance 1/2, et puis 2 puissance a. Depuis, bon, je ne dis pas parce que ce sont des nombres uniformément bornés et produit pour tous les nombres premiers alors je vais essayer de dire en deux mots ce que sont les choses. Donc oméga t, c'est le plus simple, c'est c'est vraiment les unités, les racines de l'unité dans le tort, et c'est quelque chose de cardinal fini, uniformément borné. Pour une minoration, c'est un entier, c'est pas compliqué, c'est au moins 1. Donc celui-là pose jamais aucun problème. Taux indice t, c'est le nombre de Tamagawa du tort. Donc ça, c'est un invariant cohomologique qui disparaît dans... Enfin, il n'apparaît pas quand vous faites la formule des classes pour un tort comme ça, parce que ces torts sont cosmologiquement triviaux. Bon, on peut les définir en termes de cosmologie et les évaluer. Et ils ne posent pas vraiment de problème pour ce genre de choses. Alors, roté, donc, disons, le point clé, c'est que vous avez une représentation de Galois de L sur Q dans GL, disons, je prends les cocaractères, des caractères. Donc, le groupe de Galois opère sur les cocaractères, et ça, c'est une représentation d'Artin, donc d'un groupe de Galois dans un C espace vectoriel de dimension finie. C'est ça qui définit le tort. Oui, c'est équivalent à... Enfin, disons, la représentation dans X étoile de T, c'est équivalent au tort. Voilà. Mais, voilà. Alors, quelque chose comme ça, ça a une fonction, ça a un caractère, et ce caractère a une fonction L, et il y a un développement en 1 avec une certaine puissance qui sort, et enfin, un certain pôle, qui est le nombre de fois que l'identité intervient dans ce caractère, et le résidu, c'est la limite... Enfin, vous isolez la puissance qu'il faut en facteur et vous prenez la limite qu'en reste envers 1 des termes qui restent. Alors ça, c'est... c'est une fonction L d'Artin. Et donc le point clé, c'est la théorie analytique du nombre qui dit que Brouwer-Siegel va vous dire qu'essentiellement, le roté est supérieur, inférieur. Enfin, DL puissance epsilon. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, enfin, oui, bon, DL. Donc, c'est le roté n'est pas... ni trop petit, ni trop grand. Voilà. Et donc là, on a une formule close, en fait, ici. Et le AT, c'est le conducteur d'Artin. De ma représentation ρ. Et ce qui intervient dans cette formule, c'est le groupe de composantes du modèle de néron connexe du tort en chaque place finie. Voilà. Donc c'est une formule close qui vaut ce qu'elle vaut, qui était d'expliciter le discriminant. Et donc le contenu de la proposition, c'est essentiellement de minorer le conducteur d'Artin dans une situation générale pour un tort général. Voilà. Donc, le produit sur les nombres premiers est fini ou pas? Pardon? Le produit sur les nombres premiers, c'est un nombre. Oui, c'est... Il n'y a qu'un nombre fini de place Mitchell, c'est ça? Oui, parce que c'est un modèle de Néron, c'est lisse, enfin c'est de sa bonne réduction en dehors d'un ensemble fini de places, et donc c'est que sur les places de mauvaise réduction du tort, qu'il apparaît un certain nombre de... Voilà. Donc il faut aussi majorer ce nombre de places et le cardinal. Enfin, il y a un certain nombre de travail cosmologique pour minorer tout. Enfin, en gros, il faut s'arranger pour minorer tous les ingrédients qui sont ici pour avoir le borne nord de grandeur pour le HT quand on travaille en multiplication complexe. Voilà. Alors, bon, le problème, c'est que ce n'est pas exactement ça qu'on veut faire. On veut faire de la multiplication complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que ce n'est pas tellement un problème de groupe de classe, c'est un problème de morphisme entre groupes de classe et de comprendre la taille de l'image d'un morphisme par un groupe d'un morphisme de groupe de classe. Et c'est ça qui rend la chose vraiment difficile. Donc voilà le, comment ça arrive en général. Donc je repars avec ma situation usuelle. Donc une variété de Shimura définie par une donnée de Shimura. Et puis peut-être ma composante préférée. Et je vous rappelle ce qu'on avait dit, si, si j'ai un point qui est l'image de x croix 1 dans S, qui est un point spécial, on a une factorisation. Donc, il existe un Q-tor que je pourrais prendre. Il existe un Q-tor T et une factorisation de mon X par la partie réelle de T, enfin l'extension AR de T. Et on peut choisir T, on peut prendre pour T le groupe de Mumford Tate. De X, donc c'est essentiellement le plus petit sous-groupe algébrique de GQ tel qu'on ait une factorisation comme ça, et dans cette situation c'est un tore. Voilà. Alors K c'est inclus dans G2AF, c'est un sous-groupe compact ouvert. Non, pas forcément le plus grand. Ok, donc ouvert. Alors, si je fais varier K, j'ai une tour de variété. Donc, je l'ai dit à un moment, tous les résultats sont indépendants de où je me place dans la tour. Donc, c'est pas... voilà. Alors, dans cette situation, en fait, TQX, c'est une sous-donnée de GX, c'est une sous-donnée de Shimura. Et si vous définissez KT égale T de AF inter le compact dont je suis parti dans G2AF, vous avez la variété de Shimura SHKT de TX. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste... vous prenez la même définition. Donc, l'espace donc, comme ensemble, c'est juste T de AF sur T de Q sur KT. Et ça, ça s'envoie dans SHK de GX, qui est X croix G de F sur G de Q. Alors, le point, c'est que cet ensemble, SHKT, est fini. Et deux cardinales. Et puis, c'est par définition, c'est de cardinal, le groupe de classe que j'ai introduit tout à l'heure relativement à KT. HTKT, voilà. Et la théorie dit que, de plus, cet ensemble fini... Oui, alors je mets des... Je préfère que ça soit un groupe et après je mets des donc oui, c'était vrai. Enfin, il y a un isomorphisme près, c'était vrai. OK. Donc, SHKT de TRX est défini sur le corps réflexe alors, de la donnée de Shimura E de Tx, donc qui ne dépend pas en tout cas de Kt, qui ne dépend que de Tx, donc qui est quelque chose qui contient le corps réflexe de Gx. Et on dispose d'un morphisme de réciprocité, et on a alors R, donc ça dépend que de Tx, et c'est un morphisme de Tor. Donc si j'appelle E ce corps de nombre qui est le corps réflexe. Bon, je reviendrai. Alors, donc, de Rez. Donc, on a un morphisme. Voilà, on a un morphisme de Tor que j'appelle R. Et à l'aide de ce morphisme, on peut définir une action de Galois du groupe de Galois, Galois de Kubar sur E, dans ce groupe de classe, ou dans SHKT de GX. Alors, donc pour l'instant, je n'ai pas défini comment, enfin, je n'ai pas expliqué comment R était défini, donc ça n'aide peut-être pas beaucoup, mais dans un premier temps, il faut juste comprendre qu'on a un morphisme de Tor. Après, je vous dirai peut-être plus. Voilà. Donc, OK. Donc, vous avez ce morphisme de Tor. Et ça... Disons, vous pouvez en... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Disons, si vous appelez RE, res de E à Q de GME, bon, vous avez un morphisme induit de RE de A sur RE de Q. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est AE étoile sur E étoile. Et vous avez un morphisme induit vers T de A sur T de Q. Alors, E, c'est mon E de Tx. Il est ici. Ouais. Alors, ici, ce que vous pouvez faire, c'est projeter sur la partie finie voilà. Et puis, ici, vous pouvez prendre le groupe des composantes connexes le groupe des composantes de cet ensemble. Et ça, par la théorie du corps de classe, ça s'identifie à Galois de Q bar sur E, AB, et qui, si vous voulez, est un quotient de Galois de Q bar sur E. Et en fait, comme ça, vous avez une flèche, bon, et puis vous regardez celle-là, et la manière dont Galois agit sur SHKT 2TX, c'est de la manière suivante. Si vous avez sigma dans Galois de Q bar sur E, vous voulez voir comment sigma agit sur la classe disons de X alpha. Alors, la règle du jeu, c'est que ça agit par multiplication ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un sigma ici, j'ai regardé son image dans la partie abélienne, je l'ai identifié à un élément de AE étoile sur E étoile ici. Et j'ai regardé son image dans T2AF sur KT sur T de Q, et j'appelle ça R de sigma. Voilà. Et ça, donc, ça me définit une action de Galois de Q bar sur E abélien dans cet ensemble. Donc, in fine, SHKTX, c'est un ensemble fini avec une action de Galois de Q bar sur E, et c'est ça qui définit ça comme un ensemble algébrique fini sur le corps réflexe. D'accord? Alors, bon, j'ai une petite hésitation à vous dire. Bon, je peux... Est-ce que ça vaut la peine que j'explique R ou... Oui, oui, oui. Non, mais je ne vous ai pas dit comment on le construisait. Oui. Oui, enfin bon, il y a des choses à faire, mais... Quoi? Norme type. Oui, c'est ça. J'ai besoin de faire une restriction. Enfin, j'ai des chiffres. Bon, j'ai besoin d'un co-caractère principal, d'une restriction. Bon. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Mais, donc, je préférais insister sur la chose suivante. Qui est que si vous... donc, oui, voilà. Donc, je vais juste dire ça pour l'instant. Si je regarde Galois de Q bar sur E fois un élément, et je vais dire que c'est plus grand. Donc, j'ai donné une première minoration. Alors, il y a une constante à la puissance i de t. Je vais dire ce que c'est. Donc, je vais écrire alors, je vais écrire... donc, voilà une minoration. Alors, je vais dire tous les termes. I de t, c'est le cardinal des nombres premiers tels que, en P, KTM et KT, et la partie en P de KT, ne sont pas les mêmes, diffèrent. Donc ça, c'est un ensemble fini. Voilà. l'endroit où les deux torts ne sont pas les mêmes. Voilà, leur réduction diffère, hein, d'une certaine manière. Donc KTM sur KT, voilà, ça mesure à quel point les compacts maximaux ne sont pas les mêmes, hein, de niveau. Et U, c'est simplement, vous prenez l'image de A, E, F étoile sur E étoile. Et en fait, vous pouvez voir que ça se factorise par KE étoile M. Alors, pourquoi je mets... oui, c'est ça, KE... Ouais, bon, je sais pas, oui, E étoile, je vais l'écrire comme ça. C'est l'image à l'intérieur de ce que j'ai vraiment appelé HT, c'est-à-dire T de F sur T de Q sur KTM. Donc, autrement dit, c'est-à-dire, je ne sais pas où est ma flèche. Voilà, ici, je peux aller vers T de AF voilà. Donc, in fine, je vais construire quelque chose dans ce groupe de classes. Et en fait, les orbites sous Galois, ici, sont plus grosses que ici. Et elles sont plus grosses par ce facteur... alors, B puissance I de T, KTM sur KT, où B, c'est une constante universelle qui dépend du groupe, disons. Non, c'est pas le même que... Alors, il y a trop de constantes. Voilà. Non, je suis vraiment dans un autre chapitre, là. Il n'y a pas... Donc, c'est une constante qui dépend peut-être que de la dimension ou de l'espace ambiant. Voilà. Et donc le point de ça, c'est que finalement, on est vraiment ramené à la situation suivante. On a un morphisme du groupe de classe du tore E étoile, si vous voulez. Ouais, enfin, voilà. On voyage RE vers HT. Et la vraie question difficile et sérieuse, c'est de comprendre R, l'image de la réciprocité. Donc on a un morphisme bon, qui provient d'un truc algébrique, mais qui induit au niveau des groupes de classes quelque chose, je lui donne toujours le même nom, et il faut comprendre ça. Alors, vous voyez, c'est un truc, c'est vraiment un truc homologique difficile, parce que vous regardez, si vous voulez, dans T de QP, les morphismes péadiques pour tout P et à l'infini, et en général, le morphisme au niveau des torts est surjectif, mais vous avez de la cohomologie galoisienne pour comprendre l'image en chaque place, et c'est un truc à délire. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre précisément ce tort image, puisque la proposition que tu avais avant ne fait intervenir finalement que le discriminant du corps qui déploie? Oui, mais c'est parce que je vais après me ramener... Enfin, ce genre de choses font qu'on se ramène à... la multiplication complexe par un anneau dentier maximal et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on concentre la difficulté sur le cas où l'anneau... C'est une manière de se ramener à concentrer la difficulté sur cette chose-là. C'est tout ce que je dis. Oui, mais est-ce que tu avais une minoration qui était assez universelle, qui ne demande pas... Oui, mais tu vois qu'elle... chose sur T, en fait. Oui, ce qui est... mais dans cette minoration, là, j'ai minoré le HT, c'est-à-dire pour le compact maximal. Je n'ai pas fait intervenir ici la minoration... Enfin, finalement, Finalement, la difficulté, c'est de comprendre la distinction entre KTM et KT pour l'image du... Alors, si tu veux, ce que je dis, c'est que ça... comprendre ce truc-là, c'est assez facile. Le passage, enfin, la vraie difficulté, c'est de comprendre la taille de U à l'intérieur de HT. Cette partie-là, une fois qu'on l'a écrit comme ça, c'est facile de voir que, si tu veux, ici, en gros, à chaque fois qu'il y a un nom premier qui intervient, il y a au moins P, ce nom premier qui intervient ici. Là, il intervient que par quelque chose qui est fixé, qui est P, qui est B. Donc, si tu veux, j'ai un produit sur la mauvaise réduction de B, qui est peut-être petit, mais fois P, qui, lui, grandit. Donc, ce truc-là grandit comme on veut. Et ça, c'était des choses qu'on savait depuis, voilà, depuis les premiers travaux sur, sur André-Oort, quoi. Et la vraie difficulté, c'est vraiment à ce niveau-là. Alors, ça a l'air de... Donc, bon, voilà, quand on commence ce genre de choses, on peut se dire que ce n'est pas si difficile. Mais je voudrais quand même vous donner un exemple. Donc, si vous avez un corps de nombre, par exemple, E, corps de nombre, et puis vous pouvez regarder la multiplication par 5 du groupe de classe de E, donc ce que j'ai appelé HRE, vers lui-même. Donc, si vous voulez, à une classe, voilà, vous associez Z puissance 5. OK. Eh bien, on ne sait pas que l'image de 5 est plus grand que DE puissance epsilon pour un epsilon positif, ou en disant DE puissance alpha pour alpha strictement positif. Même si on part de corps quadratique. Si on fait varier E parmi les extensions quadratiques de Q, on n'a aucune idée de l'image de l'élévation à la puissance 5. Donc autrement dit, on sait la taille du groupe de classe, mais on ne sait pas dire, par exemple, que ce groupe de classe n'est pas essentiellement Z puissance 5Z à une grande puissance, quoi. Donc, ça serait très, très surprenant, mais voilà. Donc, ces problèmes, donc ces choses-là ont été étudiées pendant des dizaines d'années en théorie des nombres, et ça n'a pas bougé depuis 30, 40 ans. Donc, voilà. Donc, tu dis ça, c'est juste pour prendre un nom premier ou... Alors, c'est qu'avec 2 et 3, avec 2, on y arrive, c'est assez facile. Avec 3, il y a des méthodes subtiles pour dire des choses, pour des cas particuliers. Et à partir de 5, on ne dit rien du tout. Voilà. Donc, c'est juste pour dire quelque chose. Donc, ça vous dit d'une certaine manière que si vous ne savez rien sur R, ou peut-être vous n'avez pas beaucoup de chance, hein. Enfin, c'est parce que vous posez vraiment visiblement un problème plus compliqué que pour des corps quadratiques imaginaires. Voilà. Alors, donc passons à ce qui se passe dans AG. Bon, je vais effacer les deux. Alors, donc, multiplication complexe dans un G. Bon, alors je vous rappelle hein, que le théorème qu'on a en vue, qui est dû au moins à Tsimerman, mais pas aussi à Yuan-Zhang, Howard, Andreatta, Goren, Howard, Madapusi Pera. Bon, c'est que il existe une constante dépendant de G, telle que, quel que soit S, point spécial de AG, le corps de définition donc qui est la taille de l'orbite et au moins dx puissance bg, où dx c'est la valeur absolue du discriminant du centre des endomorphismes de AX. Voilà. Alors, les premières choses qui ne sont pas triviales, mais qui existaient depuis finalement un certain temps, c'est on se ramène au cas où S appartient à G. Bon, je vais l'appeler X, pardon. Bon, c'est pas grave. Où X appartient à G, SCM, avec AND à X. C'est vraiment l'anneau des entiers d'un corps qui est voilà. Donc j'ai vraiment une multiplication complexe par un corps et je suis dans la situation maximale. Alors il y a, c'est une vraie simplification parce que un point CM ça peut être plus compliqué que ça. Oui, mais enfin non, là je ne travaille pas à isogénie près là-dedans, mais on se ramène vraiment à cette situation par des arguments de ce type et d'autres d'ailleurs. Bon, vous voyez, si vous avez un produit de variété abélienne, vous pouvez bien imaginer que si vous savez borner la taille des orbites de Galois, de chaque facteur, il va se passer des choses, mais enfin, il y a des arguments. Enfin, je ne dis pas. Et donc, pour se remémorer un peu, dans ce cas, on écrit des choses assez explicites, on fait de la théorie de la multiplication complexe plus explicitement. Donc, soit on a besoin de changer G, c'est-à-dire on peut avoir un poids qui provient de vérité abélienne en dimension inférieure. Oui, oui, oui. Oui, donc il y a un petit raisonnement par récurrence sur G, des choses comme ça. Enfin, bon. Donc on doit d'abord prouver que si on sait faire ce type de minoration pour tout G' plus petit que G, etc. Enfin, bon, y a du travail, hein, je ne dis pas que c'est simple totalement, mais ce n'est pas là qu'est concentrée la plus grande difficulté. Donc soit phi inclut dans phi G le... Enfin... le type CM de AX. Hein, donc vous regardez l'action des endomorphismes sur, disons, les points complexes sur l'espace tangent de AX. Ça opère par G caractère de E et on a phi union phi bar. C'est exactement ohm de E dans C. Donc on a pris la moitié des places et toutes les places à conjugaison près. J'ai un petit peu peur que S et X soient la même chose, non? C'est pas... oui, maintenant je suis passé... Dans ton énoncé, j'ai l'impression que petit S et petit X. Oui, 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 oui. Oui, maintenant je suis passé à S égale X, je suis absolument d'accord. Bon, je vais le dire dès le début, parce que comme ça, j'aurai qu'une seule notation. Oui. Voilà. Alors, donc, on a cet ensemble S de E phi, qui est l'ensemble des variétés abéliennes de dimension G, ayant multiplication complexe, enfin disons de type E phi avec vraiment AND de A. C'est vraiment OE. Alors, donc il y a plusieurs choses. Donc, cet ensemble, c'est pareil que le groupe de classe de E, enfin de OE si vous voulez, enfin, ce que j'ai appelé pic. Bon, alors, je donne pas une preuve, si vous voulez, mais c'est typiquement ce que vous faites, c'est que si vous avez un idéal A inclus dans OE, vous allez associer une variété complexe que j'ai envie d'écrire comme ça, phi 1 de A, phi G de A, A dans l'idéal. Et donc, en travaillant un peu, vous voyez que c'est comme ça qu'on fabrique les variétés, enfin, que toute variété de type phi est obtenue par une construction comme ça, et que si vous changez votre idéal par un idéal principal. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute les polarisations principales? Alors, il y a... je vais y venir un peu, parce que, en fait, tout est polarisable. Et ça mais S de E phi intervient dans le AG, enfin on va le voir, mais c'est une petite nuance avec ce qu'on faisait avant. Et bon, il y a deux choses, disons. Le corps de définition de A appartenant à S de phi. Bon, enfin, le corps de définition bon, est le même. Bon, pardon, corps de définition de A appartenant à S de phi est le même pour tout. Pour tout B. Bon, c'est mal dit, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, donc le corps de définition, c'est constant. Et un autre point qui est dû à Colmez, c'est que quel que soit A, B dans S de phi, la hauteur de Faltings de A, c'est la hauteur de Faltings de B. Alors, je reviendrai un peu plus sur hauteur de Faltings plus tard. Et peut-être troisième point, c'est que quel que soit A, B, dans S de phi, eh bien, il existe une isogénie définie sur Q bar. Bon, ouais, je vais lui donner un nom. Bon, je ne dis pas qu'elle est définie sur le même corps, mais elle est définie sur Q bar. Voilà. Donc ça, c'est... bon, je reviendrai, si j'ai un peu de temps, plus sur la multiplication complexe. Alors, en termes de variété de Shimura, qu'est-ce que vous faites? Donc, on a un x0 de S dans le groupe symplectique, GSP de GR. Je n'aurais pas à l'écrire comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce... Donc, vous associez juste la matrice x fois l'identité, moins y, y, x. Et voilà. Donc, votre un point à multiplication complexe comme ça, ça s'obtient de la manière suivante. On a un S qui se factorise par un tore maximal défini sur Q. Donc, et ce tore sur Q a la propriété que T de Q, c'est... la même chose que les éléments dans E étoile, tels que Z, Z bar, appartient à Q étoile. Et c'est un tore maximal. De GSP de GQ. Et disons typiquement ce que vous... Pour obtenir ça, vous écrivez que votre E, c'est bon, un corps de degré 2G sur Q, donc c'est un Q espace vectoriel de dimension 2G. Et puis, vous essayez de fabriquer une forme symplectique, et le type de forme symplectique que vous faites, c'est des traces de E à Q de x par alpha y avec... bon, il faut que vous ayez... Il y a des conditions, mais en particulier... pardon. Oui. Des conditions comme ça. Et vous réalisez un isomorphisme symplectique avec V, puis la forme symplectique, je ne sais pas comment la noter, H, donc QEV de dimension 2G et H, forme symplectique. J'ai un peu perdu les notations. S, c'est le demi-plan de Ziegel, c'est ça? Il n'y a pas de demi-plan de Ziegel ici. Ça, c'est le tore de deux lignes. Donc, c'est C étoile comme groupe algébrique, ou reste de E à Q, reste de C à R, de GMC. Ouais. Voilà. Donc, on fabrique un tore comme ça, qui est un tore maximal, et S de phi, c'est C étoile comme groupe sur R, en fait, c'est un peu compliqué. Et donc ce S de phi, c'est SH pour ce tore. De x t pour ce tore-là. Et un point peut-être qu'il faut quand même constater, c'est que il y a soit E', le corps réflexe. Alors, oui, enfin, j'ai pas tellement utilisé ça. Soit E', le corps réflexe de... d'habitude, je l'ai mis dans l'autre sens, bien sûr. De Tx. Donc, vous avez un morphisme de réciprocité R. Donc, dans ce tort T. Alors, l'action de Galois dans S de phi est donnée par ce morphisme de réciprocité. Mais un point quand même important, c'est que T n'est pas en général le Mumford Tate du point du point considéré. Donc ça veut dire que là, j'ai fabriqué un tort maximal et mon morphisme de réciprocité se factorise par quelque chose de, en principe, beaucoup plus petit. Enfin, donc, pour avoir des ordres de grandeur, donc, en général, enfin, si je prends un point CM général, c'est vrai qu'il y a de la multiplication complexe par un tort maximal, mais il y a des torts de multiplication complexe qui sont de la taille log G par rapport à G, quoi. Enfin, donc, ça... L'image ici pourrait être tout petite. Donc, bon, néanmoins, la preuve et l'astuce utilisée par Tsimerman, que je vais écrire, va uniquement utiliser ce tort. Donc, on verra essentiellement pas ce morphisme de réciprocité. Donc, voilà. Alors, l'idée principale de Tsimerman, c'est d'utiliser le théorème de Masser-Wüstholz, qui était un théorème donc ça dit la chose suivante. Donc, il existe deux constantes. Bon, je vais l'appeler C3, je ne sais pas pourquoi. J'ai utilisé beaucoup de termes. Tels que, pour toute variété abélienne, quelle que soit A et B, des variétés abéliennes de dimension G, définies sur un corps de nombres disons K, oui, enfin non, petit K, on va dire, tel que donc tel qu'il existe une Q-bar isogénie psi. Donc j'étends à Q bar et je suppose que mes deux variétés sont isogènes. Alors, je vais appeler ça psi. Alors, il existe Une Cuba isogénie. Psi 0. Et vous contrôlez le degré de ce psi 0. Et la manière dont vous le contrôlez, c'est C3 fois le max de la hauteur de Faltings de A et du degré du corps de définition des variétés ABN, A et B à une certaine puissance. Alors, c'est c'est un théorème très profond et qui a des implications en théorie diophantienne très très importantes. Donc, l'intérêt de cet énoncé, c'est qu'on voit apparaître, si vous savez que la hauteur de Faltings de quelque chose est petite, le max, c'est le degré du corps de définition, et vous obtenez une minoration du degré du corps de définition par quelque chose. D'accord? Voilà. Alors, ce qui a débloqué tout le... toutes les choses, donc c'est un travail sur la conjecture de Colmez, j'aurais aimé en dire plus que ça, mais qui est que... donc là, il y a deux groupes. Donc il y a Andreatta Goren, Howard, et puis Madapusi Pera, et par ailleurs Yuan-Zhang, ont montré la chose suivante. Quel que soit epsilon positif, quel que soit A, une variété abélienne de type phi, la hauteur de Faltings de A est plus petit que C epsilon dA puissance epsilon, où dA c'est le discriminant, dE puissance epsilon, si vous voulez. Si j'ai le droit. Voilà. Alors, donc ça repose, ça passe par une preuve d'une conjecture de Colmez donnant une formule. Pour HF de A dans S de phi, et même plutôt une moyenne de ces formules quand phi décrit les 2 puissance G type CM possible. Alors, c'est un travail très... bon, et puis il y a un peu de théorie analytique des nombres après, mais voilà, donc j'espère que l'an prochain, donc on aura un cours de Zhang qui fera cet énoncé, mais ça prend bien un cours, hein. Enfin, c'est pas... voilà. Ok. Alors, donc l'argument remarquable de Tsimerman est le suivant. Donc, bon, proposition. Donc ça, c'est... Enfin, c'est pas tellement cette proposition, c'est ce que... C'est que finalement, ça va être la clé. Parce que ça, c'est vraiment tout simple. Donc, il existe l'angle AG strictement positif, tel que pour toute A, dans S de phi, il existe un B dans S de phi, donc tel que l'isogénie de degré minimale entre A et B vérifie que le degré de psi c'est plus grand que ce discriminant à la puissance langue de G. Donc, il y a au moins, voilà, alors, donc, d'où ça vient? Alors, le cardinal de S de phi, alors, en fait, dans cet exemple particulier, on peut même donner quelque chose d'assez précis. On peut montrer que c'est D puissance 1 quart... moins epsilon, mais disons, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi utiliser DE puissance alpha pour alpha strictement positif. Donc, bon, encore une fois, ce n'est pas totalement évident, c'est un groupe de classes d'un corps CM, mais on voit que le groupe de classe du corps CM, ça va se ramener au groupe de classe du tore que j'ai écrit ici. Et celui-là, on peut l'évaluer un peu bien. Mais disons, l'argument marche pareil que juste une puissance positive. Mais comme on sait plus, je le dis ici. Et la remarque, c'est que on fixe soit A... une variété, on regarde l'ensemble des isogénies de A vers quelqu'un avec degré de θ plus petit que quelque chose. Et l'observation, c'est que c'est polynomial pour un entier. Il dépend que du genre. Donc ça, c'est... Et la conséquence, donc vous avez un ensemble gros, hein, il y a DE puissance 1 quart éléments, et tous ces éléments sont isogènes au A dont vous êtes parti. Et le nombre d'isogénies de degrés plus petit que n, c'est polynomial en n. Donc, si vous regardez le nombre d'isogénies de degré O+, discriminant de E puissance disons, vous prenez DE, donc vous prenez 1 quart moins epsilon sur R de G. Donc, vous prenez le nombre d'isogénies de degré O+, DE puissance 1 quart moins epsilon sur R de G, eh bien, il y en a au plus DE puissance 1 quart moins epsilon. Et donc, ça vous dit qu'il vous reste une B au moins dedans qui n'est pas atteinte par une isogénie comme ça. D'accord ? Donc, voilà. Et comment on peut conclure à partir de là ? Bon, ben voilà, donc soit A et B. Donc voilà l'argument de... Tsimerman. Donc, soit A et B dans S de phi, tel que bon, epsi de A Q bar vers BQ bar, l'isogénie de degré minimal. Ouais, bon, une isogénie de degré minimal. Voilà. Alors, d'après ce qu'on a écrit, ça, c'est au moins DE puissance lambda G. Et puis, Masser-Wüstholz. Vous a dit que c'est plus petit, alors j'avais appelé ça C3. Max de la hauteur de Faltings de A. Et du corps de définition, puissance quelque chose, bêta. Et le théorème concernant la conjecture de Colmez vous assure que c'est inférieur à C3 max, bon, peut-être il y a une constante C epsilon, DE puissance epsilon, et puis K2.Q puissance bêta. Alors, si le discriminant est grand, ça c'est C3 max, pardon, c'est C3 K2.Q puissance bêta si le discriminant est grand. Hein, parce qu'il n'est pas possible d'avoir que lui soit le max et qu'il soit plus grand qu'une puissance fixe de DE. Bon, et bien K, c'est le corps de définition de votre variété abélienne. Donc vous avez K de A 2.Q qui est au moins, enfin à des constantes près, DE, puissance lambda G sur bêta, quoi. Voilà. Donc ça c'était, c'est comme ça que conclut Tsimerman. Voilà. Donc, j'avais prévu beaucoup de choses, vous expliquer quel est l'énoncé de la conjecture de Colmez, des choses comme ça, mais ça, je pense que c'est, voilà, ça prendrait encore une bonne demi-heure, et je crois que c'est bien dommage, mais il vaut peut-être mieux s'arrêter là. Bon, voilà.